Bonjour, comment le lâcher prise va te faire gagner de l'argent? Ouais, comment le lâcher prise va développer les possibles? Et je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Alors, pourquoi c'est important de lâcher prise? Parce que le lâcher prise, ça va libérer les énergies. Mais pour lâcher prise, effectivement, il faut travailler. Je vais te raconter une petite histoire. Là, j'étais à une conférence avec une amie qui fait des conférences sur la parentalité. Et elle me disait, je lui demandais comment ça allait, comment ça se passait. Elle me disait, en fait, pendant son début d'année, elle avait des soucis, elle ne savait pas trop, ça ne marchait pas super bien. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai dit, voilà, essaye de lâcher prise, et puis de demander qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie, en fait, laisser vivre ça. Et elle disait, j'ai envie de faire plus de conférences. J'ai envie de partager plus, de communiquer, c'est cette sensation qu'on a, voilà, quand on est avec les gens, cette communion, elle avait envie de ça. Et donc, juste la semaine après, elle a reçu des mails, des téléphones pour faire des conférences. Et là, maintenant, elle fait plein de conférences et elle adore ça. Et c'est vraiment sympa. J'ai assisté à une de ses conférences. On était assez nombreux. Voilà, je sais pas, sur des. Je crois qu'elle me disait moins une cinquantaine de personnes. Donc voilà, il y avait ça. Elle échangeait. Et c'était assez sympa de voir comment elle rayonnait, comment elle était beaucoup plus souriante, quoi. Et tout ça, c'est grâce justement à se lâcher prise. Alors tu vas me dire comment lâcher prise? Pour moi, lâcher prise, c'est se libérer de ses peurs, se libérer de tout ce qui nous bloque en fait. Souvent, on a des blocages et on le sent bien. Et c'est ça, c'est cet alignement que tu n'as plus. Quand tu es un peu de côté, quand tu es un peu à côté, tu sens bien que t'es pas aligné, t'es pas dedans. Ça, c'est un blocage, il y a quelque chose et tu le ressens. Et donc ça, on peut libérer ça. Moi, ce que je permets aux gens, c'est ça, d'apprendre à se libérer et à se recentrer, à revenir en eux et à revenir à ce qui les fait vibrer, ce qui les rend heureux en fait. Et cette joie de vivre, ce sourire qui revient et il n'y a plus ce blocage, il n'y a plus tout ça qui empêche. C'est en travaillant ça sur le lâcher prise, en travaillant sur ses peurs, en travaillant sur comment être le mieux possible dans l'instant, dans son corps. Je pense que c'est vraiment important de revenir au corps et de sentir et de vibrer avec son corps, sentir les sensations. Voilà, c'est ce que j'apprends à travailler, c'est ce que j'aide voilà, les gens à revenir dans leur corps. Dans notre société, on est beaucoup trop coupé de notre corps, on est beaucoup trop éloigné, on a aussi une éducation qui nous pousse à ça, à pas écouter ses sensations, ses émotions, et on retravaille, et tout ça se libère, tout ça, les gens se sentent plus libres, plus soulagé, plus rempli en même temps, et ça devient naturel. Après, j'en ai beaucoup qui me disent, j'y pense même plus en fait à ce blocage ou à ces problèmes, j'y pense plus. Voilà, sans peur d'avoir peur, tu grandis, tu avances dans ta vie et tu la changes et tu transformes ta vie. Voilà ce que j'aime apporter les gens, aux gens, ce que j'aime apporter aux gens. Voilà. Alors voilà, si toi aussi, tu as envie de te libérer, de travailler sans peur d'avoir peur et de développer ton potentiel du possible, le champ du possible, et que tout devienne effectivement réalisable et tout ça attire, tu attires les choses dont tu as vraiment, vraiment envie, eh bien viens, appelle-moi, contacte-moi, on va trouver un moment pour discuter de ça ensemble et je t'offrirai un moment d'échange. Alors, où je te poserai des questions, on verra tes blocages, on verra où ça coince pour pouvoir libérer tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner, faire sonner la petite cloche pour avoir les notifications et puis me retrouver sur mon site, sur ma page Facebook, sans peur d'avoir peur. Eh bien, je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi.